Bon ben voilà, salut à tous, donc nouvelle vidéo, la suite des Cévennes, voilà dans les gorges de l'Ardèche. Donc pour ceux qui suivent, je suis au pont d'Arc et puis on va essayer de faire les gorges de l'Ardèche en camping-car, que je vous montre un petit peu toutes les vues qu'il y a aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, donc voilà où je vais vous filmer les étés d'avant. Donc forcément, on est tôt dans la saison, donc il y a beaucoup plus de débit d'eau. Ici, c'était le rocher où tout le monde se retournait. J'essaierai de vous remettre, si j'y pense, le lien de la vidéo en haut à droite. Et voilà, ça n'a rien à voir. Et donc le pont d'Arc, début des gorges de l'Ardèche. Bon, ce que je vais faire, j'ai mon ancien support d'écran de caméra de recul. Du coup, je vais mettre la GoPro, celle-ci, l'ancienne, la Hero Plus, dessus pour vous filmer la route. Et puis je vous reprendrai avec l'autre caméra pour quand je descendrai du véhicule. Là, ça commence à se remplir. On va faire les gorges de l'Ardèche. On va aller jusqu'à Saint-Martin d'Ardèche, du coup, en partant du pont d'Arc. Donc là, nous voici de l'autre côté du pont d'Arc. Et donc voilà les vues qu'on peut avoir. Super joli. Bon, alors là, je prends un peu de risque, je suis grimpé sur un rocher, mais alors c'est superbe. Voilà, encore une fois, avec une vue sur les gorges de l'Ardèche. Donc le pont d'Arc est là-bas, et là on peut voir les véhicules en bas. Je sais pas si on les voit, il y a un camping-car qui va arriver sur la route là, juste ici là. Mais c'est tout petit, hein. C'est super haut. Ouf. Et là, je vois, il y a un sentier de randonnée qui est juste là. Bon, en tout cas, c'est super joli. Et je sais pas si on voit, mais ça grimpe vachement. Bon, allez. Je continue, mais en tout cas, c'est bien, il fait beau,
le panneau solaire, ça fait plus d'une heure qu'il est déjà chargé. Là, il est midi, à 11h, il avait déjà tout rechargé. Bah, allez, je reprends la route. Et donc, nous voici au belvédère de Serre de Tours. Donc, peut-être un petit peu trop de vent pour faire décoller le drone. Je vais essayer peut-être en revenant tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est super joli. Donc voilà, il y a des parkings aménagés tout le long comme ça. Et donc nous voici, alors hop, balcon des gorges Audridge. Hop. Encore une fois ici aussi. Wow. Ah. Des petits cadenas. Waouh. Waouh. Ah bah lui le cadenas, c'est... le pauvre, il a dû se marier le pauvre, il est enchaîné. Waouh, c'est magnifique, mais c'est super haut. Je sais pas si on le voit, il y a un petit camping-car qui passe là-bas. Ouais, c'est limite flippant. Waouh, la vache. Je pense que là, il y a peu de chances de se rater. Hein. Ouf. Je vous reprends pour vous montrer là où on était juste avant, là, Audridge. Et en fait, pour vous montrer la hauteur, c'était là, sur la pointe, là, juste derrière l'arbre. Là, on était là, en haut, là. Alors, je sais pas si avec la GoPro ça va rendre, mais si on va voir la hauteur. Mais voilà. Alors vous voyez, là il y a peu de chance. Hein, En tout cas, c'est super, 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 super joli. Regardez ça. C'est vraiment dommage qu'il y ait beaucoup de vent parce qu'en drone ça aurait été magnifique, encore magnifique. Mais ouais, il y a vraiment trop de vent, il y a vraiment des grosses bourrasques et comme déjà avec le drone j'ai eu des soucis si vous vous en souvenez dans la précédente vidéo.
j'ai pas envie de tenter le diable et de le perdre là-dedans, parce que alors, pour le retrouver, ce serait mission impossible. Mais en tout cas, je regrette de faire ça tout seul, mais je regrette pas d'être venu, parce que franchement, et de vraiment de prendre le temps, et c'est vraiment chiant quand on a 3 semaines de congé à l'année, on est obligé de se manier le cul pour se dépêcher d'être en vacances et de profiter. Mais voilà, mais ça fait partie du jeu aussi, de décompresser, mais voilà, quand on prend vraiment le temps, qu'on peut vraiment prendre le temps, ben, ça fait du bien aussi. L'Ardèche, c'est ça aussi. Roxy est intrigué par les chèvres sauvages. Ça va toi? Donc elles sont en liberté, donc il faut faire très 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 attention sur les routes d'Ardèche. Mais voilà. Ça sent le bouquin, oh la vache. Et sur le belvédère, les crocs d'olivier. Donc, vous voyez, on peut y croiser de drôles d'animaux aussi, en liberté, en Ardèche. Ouais, donc là on arrive au balcon Gournier. C'est superbe, franchement il n'y a pas d'autre mot. Là on était, hop, belvédère des gorges, les Templiers. Voilà. Bon voilà, toujours sur un autre point, le balcon des Templiers. Tout à l'heure on était sur le balcon là-bas. Cherche du bois original, mais il y en a là. Et maintenant c'est le balcon de la maladrerie. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Donc là, on est au balcon de la Rouvière. Bon, là, on a une moins bonne vue avec des véhicules de pompiers qui sont là pour s'entraîner. We meant to be in the great outdoors, forever free. Là, le grand belvédère. Et bon, pareil, on voit pas grand chose. Il y a beaucoup de motos aussi. Trail, BM. Là-bas, on voit des montagnes. Alors, je sais pas, c'est peut-être des nuages qu'il y a tout derrière. Ouais, c'est des nuages. Mais ouais, ça fait comme des sommets enneigés. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Alors, belvédère, des gorges rangs pointus. Oh, c'est super joli là aussi encore. Bon ben, de toute façon, pour le drone c'est foutu. Déjà il y a trop de vent et puis il y a quelques rapaces aussi en l'air. Donc ce sera remis à plus tard. Mais ouais, il y a beaucoup trop de vent là, c'est mort. Donc là, nous voilà à Saint-Martin-d'Ardèche, fin des gorges. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop gavant tous les belvédères. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains où c'était pas terrible. Bon, là, je vais faire demi-tour. Et puis, c'est classe là-bas. Là. Je vais ralentir. Voilà, là, c'est super joli. Et donc je vais rattraper Saint-Rémez où je vais faire mon plein d'eau. Je vais vidanger aussi parce que j'ai dormi là où j'ai dormi, je ne pouvais pas vidanger. Et même si c'est principalement que de l'eau avec du savon bio,
Je vais quand même décharger tout ça à un endroit bien spécifique. Et puis je suis paré du coup pour... Voilà, c'est la fin des gorges ici là. Et je suis paré pour encore repasser quelques jours, du moins tout ce week-end, tranquille, sans avoir à me soucier de l'eau. Donc là, deuxième jour où les terrasses sont rouvertes. Un panneau Vallaud-Pont-d'Arc 36 km, donc à mon avis du pont d'Arc à ici il y a 30 km de gorge là que je vous ai filmé. C'est vraiment franchement appréciable. Actuellement en plus il n'y a pas grand monde sur la route, donc même là en camping-car bah, j'embête personne. Pour se stationner sur les belvédères il y a de la place. Alors c'est sûr qu'en moto bah, c'est bien plus pratique. Faire attention aux cailloux parce que des fois il y a des petits éboulements où il y a les chèvres aussi qui... Je vais essayer de refilmer tout à l'heure parce que je les ai vus tout un groupe. Mais j'étais au téléphone avec le haut-parleur bien sûr. Et du coup j'ai pas pu les filmer, mais je vais essayer de voir si au retour là je peux les filmer. Mais voilà, elles mettent pas mal de cailloux aussi sur la route. Il y a pas mal de gravier, il y a pas mal de raccords aussi. Donc c'est pas des routes où faut faire le foufou, mais voilà, ben, y en a pas mal, vous voyez, de motos. Et puis là, vous vous ratez à des endroits, on vous retrouve pas, hein. Je sais pas en quoi comme morceau, mais ouais, c'est vraiment impressionnant, même certains endroits, c'est vraiment le, comme ici là derrière, en fait, c'est vraiment abrupt. L'hiver, ça doit être vachement dangereux, c'est ce genre de route. Il y a intérêt à vraiment être très très prudent pour les riverains ou même si vous passez par ici l'hiver. Voilà, 11 belvédères aménagés sur 29 km. Voilà, vous voyez, je vous avais dit 30 km, ben 29. Et donc on est en réserve naturelle, donc voilà, donc c'est pareil, il y a des règles à respecter, le camping sauvage est interdit. Tout ce qui est barbecue et tout, forcément. Voilà. Et donc là, on retourne au belvédère Rente Pointue, le dernier que je vous ai filmé, qui est là, avec un petit voyageur, Esterel, pardon. Là, c'est vrai qu'en vélo, ceux qui font ça en vélo, faut avoir des jambes. Hein. Faut avoir des jambes. Bon, allez, je vais aller faire mon plein d'eau, vidanger. Je vous filmerai peut-être ça en accéléré. Et puis je pense que je vais visiter plusieurs villes dans le coin. Donc je pense que la prochaine vidéo, parce que je vais pas trop faire de vidéos trop longues, mais la prochaine vidéo sera vraiment pas mal. Parce que voilà, je sais qu'il y a vraiment des mines de trésors dans cette région-là qui sont pas ou très très peu connues. Je commence à en connaître certaines. Mais voilà, il faut vraiment chercher, aller se perdre dans les sentiers pour vraiment trouver les coins perdus et les jolies sources d'eau. Enfin, je vous montrerai tout ça. Que ça peut être dangereux à des endroits, et ben voilà où ça peut être dangereux. Bon ben voilà, et là on fait comment?
Voilà l'Ardèche. Bon bah en fait tout à l'heure je délirais pas, hein. Il y a bien des sommets là-bas enneigés. Alors je vais essayer de zoomer, je sais pas ce que ça donnera, mais voilà. Bon bah en fait tout à l'heure je délirais pas, hein. Il y a bien des sommets là-bas enneigés. Alors je vais essayer de zoomer, je sais pas ce que ça donnera, mais voilà. Bon bah voilà, nous voilà à Saint-Remez. Du coup je fais le plein d'eau, puis je vais peut-être aller chercher 2-3 bouteilles. Vous voyez. Les vignerons des Gorges de l'Ardèche sont heureux de vous accueillir sur leur parking, découvrir leur cuvée. Donc bah, ça va être le moment d'en profiter un petit peu. Je fais le plein d'eau gratuit, bon bah c'est la moindre des choses. Je pense que je vais revenir plusieurs fois ici, donc voilà. Ça, c'est les lieux typiques de l'Ardèche. Bon, ok, il y a un canoë. Bon, le milieu du village, c'est pas grave. De la lavande, je suis parti de la cave de Saint-Remez et donc il y a le musée de la lavande. Du musée de la lavande qui est comment ça s'appelle, je sais plus le nom, super France Passion, ça devient triste de vieillir. Faut pas trop serrer à droite, hein, surtout là. Mais regardez là à gauche là. Ça va rappeler des vues à certains des années précédentes. J'avais pas mal filmé ces moulins. Faire la terrasse ici. Ah, c'est dommage, ils avaient le temps de les... ils avaient le temps de la refaire la terrasse. Enfin bref. Parlant de terrasse, moi je vais peut-être aller me prendre une petite bière en terrasse là-bas, dans Vallon.
plein, 81,01€. J'ai fait de l'Excellium, donc j'ai mis 51 litres pour 530 km. Donc voilà, on va dire que ça fait vraiment 10 litres au 100. Sachant que j'ai eu de la montagne et tout ça, donc je suis quand même assez content. Donc moi je mets de l'Excellium, alors débat ou pas, je sais pas, mais je trouve ça vraiment bien mieux. Oula, je fais plus de kilomètres. Le moteur, à première vue, ça s'encrasse beaucoup moins. Donc voilà, donc je préfère payer un tout petit peu plus cher et je pense que l'un dans l'autre, on y regagne au bout du compte. Après, ça, c'est une question d'avis. Voilà, allez, direction Vallon pour une petite bière. Bon allez, je suis en train de me faire des frites au four à la poêle, un steak haché, un pain, et me faire un bon américain frites là avec des oignons et tout ça. Hop. Comme là-haut à le barac à frites. Ceux qui savent, ceux qui sont de là-haut, comme on dit là-haut, on sait c'est quoi. Ah là là. Et puis monsieur Rouxy, bah, qui sait qui a à manger, donc qui réclame, et pourtant sa gamelle y a encore à manger. Qu'est-ce qui se passe dans ce sac? Il est fou ce chat.